Pas mal, pas mal. Vas-y. Ok, c'est bâton, c'est pas mal. Et merde, putain, ça je vais le faire souvent, ça. Bâton, c'est pas mal. On va rester à l'épée quand même. Mais on a le bâton maintenant. Il y a un truc derrière. Non putain, j'en étais sûr. Ah! Ouh, la vache! Je voudrais bien d'abord niquer le. Bon, ça va. D'accord, c'est toi d'abord. Ça marche. J'ai bloqué au bon moment. Donc apparemment, il y a aussi un. On peut pas juste taper bêtement, même si on cible par exemple le bras ou le pied, tout ça. Il faut aussi taper du bon côté, c'est-à-dire que les hitbox elles sont très bien faites. Si on tape par exemple sur le bras gauche alors qu'on cible le bras droit, bah, on tapera le bras gauche, pas le bras droit. Voilà, c'est ce que je veux dire. Attention! Ah. Putain, l'enchaînement. Bon, par contre, l'enchaînement. Ah la vache. Quand il fait l'enchaînement, on peut pas vraiment le stopper, hein, le mec. Hein. C'est assez lourd, on va dire. Ouais, c'est très dur de stopper les enchaînements. C'est même quasiment impossible en fait. C'est quoi ça? Caution, exosuit area. Ok, ça marche. Électrocellule. D'accord, cool. Ah, on va peut-être pouvoir récupérer l'objet qui était en contrebas. Oh merde! Je peux pas. Peut-être je vois rien avec les caisses. Ok, bestiole, bestiole. Bestiole x 3, ça marche. On y va. Il n'y a rien. Ok, il y en a une qui est partie. Go! Salut! Oh putain, vas-y. J'appuie super en avance hein, pour faire un saut hein, des fois, mais quand il tourne là, quand il fait le combo en tournant, c'est. T'as quoi toi comme arme? Ah oui, toi tu tires pas. Genre ça, putain. Quand il le fait hein. Allez, jump! Cool, cool, cool. Donc il y a cette jauge d'énergie là quand on tape. Je sais pas exactement ce qu'on a encore. Il y a un symbole, mais est-ce que c'est lié à un implant? C'est lié à quoi ce symbole? Parce que j'ai pas de truc qui. Non?
Non, je sais pas trop là. Bah tiens, on va regarder les implants qu'on a récupérés. Bah celui-là. Augmente l'énergie maximum proportionnellement à la puissance du noyau. D'accord, donc on a la même chose, mais pour l'énergie. Ça marche. Câblage, injectable, échange rapide. D'accord. Je crois que échange rapide, on peut l'échanger sans aller à la station parce que c'était pas grisé, donc peut-être que ça on peut le changer quand on veut. Station de montage fusée. Pas un mec à droite, non. Oh, putain. D'accord, il n'y avait pas un mec à droite, mais il y avait un mec derrière les putains de caisses. Générateur plasmique. Lancer un coup de grâce ne garde. Oui, non, ça va. C'est... On a compris ça. On a compris. Le truc en bas à gauche, c'est quoi? Ah, c'est pas les bras en fait. Ouais, 4. Ok, d'accord. Ça, c'est les armes en fait. Ça marche. Je suis sûr qu'il va avoir des tonnes de vidéos sur YouTube. Genre des mecs qui jouent et qui se font tuer par les premiers monstres et tout. Ah putain, j'arrive pas à jouer au jeu! Et qui vont gueuler, qui vont faire des millions de vues et qui savent pas jouer. Putain, ça va être horrible. C'est quoi ça? C'est une zone de boss? Qu'est-ce que c'est ça? On peut monter. Warning, high voltage. Je m'en fous. Oh merde. Salut. Corps. Et j'ai plus de stamina déjà, fais chier. Attention, putain, j'étais en train de matraquer le A pour sauter, oh la vache. Oh, ça c'est cool ça. J'étais en train de matraquer le A pour sauter. Oh. Calmos toi, calmos. Toi tu vas me donner ton bras gauche. Vas-y, ramène tes fesses. Hop là. Bah, ça... Si, ça a coupé. Station électrique, ça marche. Ok, on peut descendre ou monter. Ah putain, il y a sûrement un objet juste en dessous. Ah putain, il y a un... Bah, comment on va là? Là. Yeah. Putain, on voit que dalle. Ah, c'est super high-tech, on n'a pas de lampe. Parce que là, je serais bien content avec une lampe, franchement. Appuyez pour activer... Arrête!
On a une lampe en fait, mais on a... Ah, on n'a pas de torse. Putain, ça pète, ça... Oh la vache, faut qu'on crée un torse en fait. À moins qu'on en trouve un, mais on n'en a pas... Enfin, on va voir, on va voir. On va faire le tour vite fait, puis après on va aller en... Oh, bonjour. Tu viens d'où toi? Je voudrais bien savoir d'où tu viens. Un peu étrange. Ben c'est bon, on a récupéré le truc. Il y a un mec là. Ah, il y a un robot. Parce que j'ai vu les étincelles, je me suis dit, il y a quelque chose. Ah, cool. High-tech recyclable. Ok, là, y a rien. J'ai vu qu'il y avait un truc... Vas-y, interagir, s'il te plaît. Merci. Donc, faut qu'on crée un torse. Resolve is not the answer. Apparemment, on a dû sûrement être endormi pendant quelques années. Et merde, putain, dans un petit corridor comme ça, ça va être la merde. Yeah! Un truc qu'on peut, on peut quand même maintenir la X d'assez loin. En tout cas pour ces ennemis là on peut rester hors de portée et maintenir X et ça se charge. Donc on n'a pas besoin d'être super super près, ça c'est pas mal. Peut-être ça rend un peu le truc un peu facile aussi. J'ai failli tomber. Nouvel implant dynamo. Oh putain! Wow, t'es quoi toi? Tu vas vite te calmer mec. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Oh la vache! Ah ouais, mais là je suis vraiment... Ouais, je suis super pas au bon endroit en fait pour combattre. Putain, on va se mettre où? Parce que là en fait je me vois pas trop le combattre dans un petit emplacement comme ça. Il est parti? Il est parti. Vas-y, est-ce qu'on... Il est là, il est là. Bras droit. Oh la vache! Ok, ok, ça marche. Oh putain! C'est notre premier boss. Yes. Donne ça. Voilà. Espèce de fou. C'est du Rhino Armakis Yosuke Butterfly. Et merde. Putain, à chaque fois je fais pause, putain. Vitesse d'attaque haute. Bonus maîtrise très faible. Gain d'énergie. Impact bas. Wouh. Donc si vous savez pas jouer, si vous êtes complètement demeuré en fait et que vous tapez ou que vous voulez le faire peut-être le jeu assez facilement, vous tapez que les membres sans équipement, mais vous allez rien récupérer en fait. C'est pas mal ça, sympa. Eh ben putain, sympa ce truc. C'est pas... on va tester, on va tester. Par contre on a plus que 2 régènes donc ça va être un peu juste. Je pense qu'on va devoir... repartir à la injection vitale level 1. V1.
devoir repartir au truc, peut-être. Yes, on récupère tous les objets qu'on pouvait pas. Amplificateur d'agressivité. Vas-y, y a pas quelqu'un là qui va me sauter dessus. Putain, il fait deux attaques? Yeah, ça c'est cool ça. L'attaque sautée va être pas mal, je pense. Avez-vous besoin d'aide, Warren? Putain, ah, on est là! Ok, cool! Putain, ça pète! Pause non autorisée. Ça pète. Je veux tester mon arme par contre. Waouh, ça va, les dégâts 10-15, pas mal, non? J'aime bien. On va peut-être pouvoir faire des attaques genre sauter, reculer, sauter, reculer. On va peut-être pouvoir enchaîner des trucs comme ça peut être sympa en combat. Ah, la vache. Bon, il faut créer un torso. Fabriquer. Tête, bras, jambes, corps. On va devoir fabriquer ça, donc. Et on peut pas. D'accord, ça marche. Donc, ben, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'on peut détruire les choses? Modifier MK, non. Aide, trier. On peut trier, mais on s'en fout. Fabriquer. T'es sûr qu'on peut pas? Pièce détachée. Non, c'est le torso. Ah, c'est armure, exosquelette, MK. Hein? Il en faut 12? Donc il faut que je coupe, de ce que je pense, hein. Il faut que je coupe 12 torsos en gros. Bah là on en a 6 je crois. Si je comprends bien comment le jeu marche, hein, c'est parce que là je suis toujours en impression d'essayer de comprendre. Bon, ça c'est pour récupérer les pièces détachées. Ça c'est les plans. Composants. Armure exoxyme utilisée pour assembler des torsos, idéal pour toutes les séries du... Ouais, donc c'est ça. Donc il faut couper des torsos. Ça marche. Stocker les pièces détachées. Voilà, on va stocker. Ok, ça marche. On va aller taper des trucs. Et on va couper des torsos, donc. Ouh, pas mal, ça. Bon, par contre... Ouais, non, d'accord. Ça fait vraiment pas de dégâts, quoi. Non, ouais, ça fait vraiment zéro dégâts, quoi. Ça, c'est un peu la merde, par contre. Ouais, on va repasser... Pour l'instant, on va repasser à l'épée. Parce que c'est quand même pourri. Enfin, pour l'instant, les dégâts sont pas top. Corps. Mais en tout cas, on tape beaucoup de fois. C'est pas mal. Merde. Là. C'est bien, c'est sympa que la caméra soit focalisée en fait sur le corps qui vole. Saute, 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 putain, j'en étais sûr. J'étais super loin et on a pu le faire, quoi. Ça a peut-être un peu abusé en fait. Ouais, ça consomme énormément d'endurance de faire ces attaques là. Ouais, on va regarder les implants aussi quand on aura les torsos. On a dit qu'il nous en fallait 12. Armure exosquelette, on en a 4. 4, 6, non, encore un peu. Encore 2. Qui veut faire de l'expérimentation? Merci, bonjour, j'ai besoin d'un torse. Aouh! Bon, je tape un peu à la bourrin là. Putain, l'enfoiré. C'est l'autre qui m'a tué, putain.
Ok, cool, on est de retour. Prenez soin de vous. J'aurais dû mettre un truc de soin rapide. Quand vous mourrez, vous faites tomber vos pièces détachées au sol, retournez au lieu de votre mort pour... Ok, c'est comme Dark Souls, ça c'est peut-être un peu trop Dark Souls par contre. Je pense qu'on... Pièces détachées perdues... Ah, on a un timer ? 2 minutes ? Arrête, on a un timer pour récupérer nos âmes. Ça c'est peut-être un peu abusé, non? Bon, après on n'a pas besoin de taper tout le monde, mais... Ça c'est peut-être un peu pute quand même. Ça c'est un peu pute. Je fais que passer. Hop là. Ça va, on a tout récupéré. Je crois que c'est à moi, succès déverrouillé. Vas-y, reste là, toi. Ramène tes fesses. Yo, mec. C'était peut-être plus... facile de bouger en fait avec les trucs qui tapent rapidement en fait. Je suis en train de... Parce que niveau gameplay, comme j'ai dit, on est assez bloqué par rapport aux animations. Quand le mec fait une animation, c'est super dur pour l'arrêter. Donc je pense que on va peut-être changer d'arme au final. Ok, allez, on va faire le torse. On va faire le torse et on va voir. Ne devriez-vous pas être à votre poste? Mais tu vas la fermer, s'il te plaît. Ok. 27, on en a. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on en ait autant? C'est des pièces qu'on récupère, en fait. Et il y en a plusieurs, des armatures, en fait. On peut en récupérer plusieurs sur les ennemis, je pense. Et après, il y a les MK2, MK3, MK4. D'accord, je commence à piger. Ok, a été fabriqué. Torse Lynx. Lynx. Cool. Et il nous faut combien d'énergie? 3. On va monter de niveau. Un niveau. On peut peut-être même monter un peu plus, en fait. On va rester comme ça, 18, c'est pas mal. Wouh! Classe. Maintenant, oh putain, on a des lampes en fait sur le côté. Ah, ça pète, c'est énorme. Ok, cool, c'est sympa ça. Les implants, par contre, on en a plein. On va regarder là. Attends, d'abord on va tout replacer. Voilà, on va tout replacer dans l'ordre comme il faut. Alors on veut régénère la santé lorsque... Quoi? Régénère la santé lors de l'exécution des coups de grâce. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal ça. Là on a quoi? Injection qui restaure la santé. Santé restaurée. 80, d'accord, c'est cool. Et là, gain d'énergie plus 20%, augmente le montant d'énergie conféré par les attaques réussies. Donc là, on a 80. Donc on en a deux, en fait, qui font exactement la même chose. Donc, est-ce que on peut mettre les deux? Yes, d'accord. Si on met les deux, maintenant, on en a 6. Pas mal, ok, c'est cool. C'est sympa. On a aussi 2 régènes. Bon, on va mettre... on va mettre l'injection et le régène. Après on a quoi? Faire apparaître la jauge des ennemis. On va mettre ça et le bruit, là le son. Émet un son lorsque proche d'un objet. Voilà, on va mettre ça.
Et je pense qu'on va rajouter... Ça augmente la... Non. Merde, c'était où? En premier. Régénère santé lorsque... lors de l'exécution de coup de grâce. Ça, on va le faire ça, parce qu'on le fait très souvent. Donc voilà. Voilà, voilà. Yeah! Les lampes! C'est classe, j'ai l'impression d'être un Wanzer, un mecha en fait, de jouer à Front Mission, c'est sympa. C'est cool. Est-ce qu'on peut améliorer des armes? Je voudrais bien améliorer le ça, moi en fait. Yes, on peut! Attends. Merde, je suis sur une autre arme en fait. Pardon. D'accord, ok. On a amélioré ça. On va utiliser ça pour l'instant. On va utiliser ça. Donc là, on l'a en MK2. Ou alors en MK1. Parce qu'il faut du MK2. Ben, je sais pas trop en fait. Je comprends pas trop. Là. Je sais pas. Après, on peut améliorer ça aussi. Mais bon, on s'en fout un peu. Ok, cool. Ok, on a la classe, j'aime bien. On a la classe. On a toujours des consommables, si jamais on a besoin de pièces détachées, mais bon, pour l'instant on n'a pas vraiment besoin, donc on s'en fout. On a 15 sur 18. Peut-être qu'on peut faire un casque. Ah, peut-être que... Non, on peut mettre... Ah merde, on peut pas. Stabilité... Pourquoi je peux pas le mettre là? 3. Pourquoi je peux pas placer la deuxième jambe? Je comprends pas. On l'a pas? Ah non, d'accord, on a que la jambe gauche en fait. Et là on a que protège-bras. Bah là on peut le changer par contre. Ok, protège-bras c'est... D'accord. Non, on a qu'un bras. D'accord, ok, ça marche. On a qu'un bras, on a qu'une jambe. Ça, ok, d'accord, je viens de capter. on peut peut-être créer un casque. Pourquoi pas. Oui, on peut. On va le faire. Ok. Un casque. Parce que pourquoi pas. Ça protège des dégâts, consommation d'énergie, drone, consommation de puissance de noyau, stabilité, ça marche. Wouh! C'est le PlayStation VR en fait. Cool! Ça donne des nouveaux pouvoirs ou pas? J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Mais bon, on a le casque. On peut créer les bras les autres bras en fait. On a Rhino ou alors on a protège-bras Lynx ou Rhino. Consommation 2, la 3, impact. Ouais, en fait, ça serait bien d'utiliser du Lynx, si je comprends bien. Parce que nous, on est plutôt... Enfin, là, on utilise des armes rapides, quoi. Mais bon. Mais bon, être rapide, moi, ça ne va pas. Voilà, on va se mettre un autre bras. Ah putain, il nous faut plus de niveaux. Il faut combien de plus? 3 je crois. Ok, encore un niveau et c'est bon. on a pas. D'accord, faut aller casser du méchant. Veillez sur vos collègues, ils veillent aussi sur vous. Ah ouais, il veille bien sur moi. On va aller dans l'endroit où c'est qui fait. Où c'est noir. Par contre, je me rappelle plus où c'était. Je sais qu'il faut descendre dans des escaliers, mais je me rappelle plus où. Je crois que c'est là-bas. Putain, il m'a fait peur, ce con. Oh la vache. Tu vas où, mec? Je suis là.
Tiens, je t'ai fait tomber. Voilà. Ouais, là, je lui ai tapé directement les parties pas protégées parce que c'est il est un peu chiant, lui. J'ai pas envie de balancer tous mes trucs de soins dès le début. Il y a un mec là-bas. Merde, putain, c'était où? Il me faut des jambes. Ah, non! Putain de merde. Wow, classe. Ok, cool, cool, cool. Ah, ça va, maintenant on fait beaucoup plus de dégâts quand même, ça va. On est au niveau de la de l'épée, ça va. Ah, c'était là, voilà, très bien. On est au niveau de l'épée. Oh. Merde, merde. Putain, attends, je suis paumé là. Bon, on descend, on s'en fout, on descend. On a mis les lampes, on y va. Arrête, c'est un survival horror, ça fait peur. Je me demande s'ils nous voient mieux les ennemis par rapport à nos lampes. Il y a un mec là. Il y a un objet là. On veut des jambes, on veut des jambes, on veut des jambes. Oh putain! Putain, je l'ai défoncé, mais il m'a défoncé aussi. Mais quand on voit rien par contre, hein, c'est un peu abusé. Je dois dire que je n'aime pas ça du tout. Mais alors vraiment pas. Plusieurs accidents se sont produits dans ce secteur. On doit y mettre un terme et le désassembler pièce par pièce. Je sais bien ce que vous allez dire. Mais on a eu de la chance. On a pu balayer les derniers incidents sous le tapis. On ne peut pas compter sur la chance. Je sais que tout le monde se fiche des ouvriers. Mais ils s'en ficheront moins si les médias s'en mêlent. Ou pire, le comité de surveillance. Putain de merde, je suis bloqué. Non, on n'a pas eu l'occasion de le couper. On peut pas diriger la lampe. J'aurais bien voulu pouvoir la diriger parce que là c'est quand même vraiment la merde. Hein. Ok, y a un fou en bas, putain, il y a un fou rapide là. Personne là. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de récupérer un bras. Pourquoi il y a un bruit? Il y a une musique de boss. Vas-y, ramène-toi. Non, putain. La vache. Putain, on l'a tué, mais chier. Implant obtenu, injection améliorée, maîtrise d'armes augmentée. Je n'arrive pas à lire, merci. Implant obtenu, injection médivoltaïque. Utilisez cet implant. Putain, j'ai pas eu le temps de lire. Injection qui utilise l'énergie pour restaurer la santé. Consommation d'énergie 20, santé restaurée 30. Wow. Genre ça voudrait dire qu'on peut utiliser ça à la place d'utiliser des consommables, je pense. Huh. Parce que pour l'instant on n'utilise pas l'énergie. Ok, intéressant, pas mal. Ah. Système d'alimentation activé. Cool. Initialisé.